Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter trois catégories de livres pour apprendre ces galops. Donc nous avons les encyclopédies et tout le tralala qui va avec. Après nous avons les magazines, qui j'en ai beaucoup, et les livres fédéraux. Donc on va commencer par les encyclopédies et tout le tralala. Donc, j'ai d'abord Copain des chevaux, donc à la découverte du fil du vent. Donc, c'est des éditions Milan. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc, vous voyez, c'est très très bien expliqué aussi. Donc, sous-chef et petit chef. Après, bon, il y a plein de trucs. Donc, spécialité du cheval et tout. Et tout ça, donc des plus petits aux plus grands. Donc, sérieusement, c'est très bien fait. Voilà, c'est très bien fait. Il y a la selle et tout, et tout. Donc, voilà, c'est bien fait. Après, l'encyclopédie du cheval. Des éditions Usborne. Donc voilà. Donc c'est l'encyclopédie du cheval. Donc je l'ai beaucoup beaucoup lu, cette encyclopédie. Parce que vous voyez, il y a le sommaire. Donc voilà. Il y a le box et tout. C'est très bien fait. L'évolution du cheval. Donc on est passé de moins 60 millions d'années au moins 1 million d'années. Donc avec le vrai cheval. Donc voilà un peu l'évolution. Voilà. Après il y a quelques migrations et disparitions. Après la domestication du cheval, donc les Grecs et tout. Voilà. Voilà. Tout ça. Après le comportement, donc là on voit le petit poulain qui lève la lèvre. Après on voit des chevaux qui s'aiment pas trop. Voilà, après bah voilà. Après nous avons les muscles. Donc voilà, les muscles du cheval. Les régions du corps du cheval, donc le corps du cheval, le squelette du cheval, la description d'un cheval. Voilà. Donc il y a le fourlin, il y a le herling et un 2 ans. Donc bah, le poulain, tout le monde connaît ce que c'est. Le herling, je ne sais pas trop ce que c'est. Entre 1 et 2 ans, le jeune cheval est parfois appelé herling. Bien que ce terme soit surtout réservé au pur sang. Donc voilà. Après, il y a comment choisir et tout. Après, il y a la conformation. Donc les membres. Voilà. Après, la denture et l'âge. Les robes. Donc moi, tous les soirs, avant de me coucher, je lisais les robes. Voilà. Donc, voilà. Il y a un peu de tout. Un peu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Voilà. Après, les marques et tout. Les races du monde. Voilà. Donc, il y a quand même 4 pages de races du monde. Après la sellerie, enfin, il y a vraiment tout. Donc l'équitation, ça va du fer, des dents jusqu'à l'équitation, comment monter. Il est vraiment complet ce livre. Ensuite, donc nous avons l'équitation, la passion du cheval. Donc là, vous voyez, on a le sommaire. Donc, tableau des matières. Et en fait. Là, nous avons une page. En fait, c'est le sommaire du premier chapitre. Donc là, c'est le premier chapitre. Donc c'est race et élevage. Donc 1 chevaux légers, 2 chevaux lourds, 3 poneys, 4 élevages.
Donc en fait, par exemple, là, dans chevaux légers, il y a plusieurs types de chevaux légers. Donc il y a l'andalou, donc l'arabe, l'apalouza, le camargue, pourquoi je fais ça? Je sais pas. Le acné, je crois que c'est ça. Le acné, enfin, il y a vraiment, il est complet aussi, enfin, voilà. Donc, obstacle, première leçon, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Pardon. Donc, voilà. Embarquer un cheval dans un vent. Le poulain sauvage et tout. Donc, c'est vraiment très bien expliqué. Hein, il n'y a pas trop de problème aussi à ce niveau-là. Donc ça ne sert absolument à rien. En plus, il y en a trois. Je sais pas pourquoi elle les a mises. Hein. Il y en a mis quatre. Voilà. Ensuite, il y a donc elle, il faut que je le lise. Donc, faut que je le lis. Je crois que ça se dit comme ça. Faut que je le lis. La ruse junior du cheval et du poney. Donc, voilà. Donc, très complet aussi. Hein. Un peu comme tous les livres. Hein, ils sont complets. Voilà. Donc, c'est la rousse. Voilà. Après, un autre la rousse. Donc, c'est toujours de l'équitation. Donc il y a un CD-ROM avec 40 exercices, vraiment complet aussi. Rien à dire dessus. Il y a les positions, les allures et tout, et tout. Donc voilà. Voilà. Et le dernier, voilà. Ah. Le cheval qui est aussi complet. Enfin. Quand même, c'est pas non plus complet complet voilà il y a des trucs mais il y a pas tout ce qui est un peu dommage c'est des éditions nouvelle en après on va passer au magazine donc il y a désolé c'est après il y a Cheval mon ami donc pas super c'est magazine enfin c'est bien donc il y a des fiches techniques il y a des dossiers il y a des découvertes il y a des disciplines donc en fait ils ont une page à peu près gros plan sur ton cheval indien. Donc, le cheval indien. Après, fiche technique. Donc, après, ça revient à un petit conseil. Test. Enfin, voilà. Après, bien sûr, fiche technique. Donc, la première leçon. Discipline. Donc, deux disciplines, je crois. Après, il y a des races. Après, des jeux. Enfin, voilà. Et des cartes postales à la fin. Que je n'ai jamais utilisé. Voilà. 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 Après, attendez. Parce que j'en ai plusieurs. Voilà. Donc, je sais pas si vous les avez vus. Je sais pas. Hop. Donc j'en ai trois. Voilà. Donc c'est des Cheval Magazine. Donc c'est vraiment les meilleurs de tous. Donc ils sont assez gros quand même hein, pour des magazines. Donc j'ai celui de juin, celui de mars et celui d'octobre. Voilà. Donc.
Voilà. Donc, c'est vraiment les plus complets. Voilà. C'est vraiment les plus complets que je connaisse. Donc, il y a des fiches. Et bah, c'est très bien. Hein. Après, il y a des marques derrière. Donc là, il présente Kramer. Là, il présente la nouvelle selle Isabelle. Donc, c'est pour le dressage. Donc, Akia. La nouvelle selle Isabelle est exclusive à Bath Saddle et Wintec. Wow. Enfin, voilà. Et après, la Lexus XRX 300 changer de vision. Donc, c'est une voiture. Donc, c'est très bien aussi, voiture. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Si vous voulez acheter un magazine, prenez les. Si vous ne savez pas quoi choisir, prenez les Cheval Magazine. Magazine. Après, nous avons les connaître les chevaux donc, qui sont très bien aussi. Hein, voilà. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, j'en ai que deux. C'est connaître son cheval. Donc, il y en a un, apprendre à respecter la nature en promenade. Et deux, travailler avec les chevaux. Es-tu prêt à réaliser un de tes rêves? Je crois que j'en avais un là. Ah non. Es-tu prêt à réaliser ton rêve et tout et tout? Donc c'est vraiment pareil que Cheval, mon ami. Hein, c'est plein. Enfin, c'est pareil. Donc ils l'ont pas mis pareil. Enfin, ils l'ont pas un peu mis pareil. Hein, ils n'ont pas mis pareil, mais je pense que voilà. Donc il y a des cartes derrière. Hein, il y a un sommaire bleu et là il y a un sommaire. Là il y a des cartes normales, des cartes et elles sont faites pareil, de la même couleur. Voilà. Donc ils veulent nous faire croire, ouais c'est pas pareil, c'est pas de la même industrie. Donc peut-être que c'est pas de la même industrie, hein, mais moi je pense que c'est de la même industrie. Après nous avons des vieux magazines. Donc c'est Cheval Star. Donc bon, il en existe maintenant d'autres. Hein. Donc encore un Cheval Star. Donc j'ai eu un hors série. C'est ma cousine qui me l'a donné. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc bah, il y a le Cheval Magazine, le magazine des jeunes cavaliers. Dossier Le Sommeil, Bricolection, un cheval en pilage. En pliage. Donc voilà le magazine, vous voyez rien. Après Cheval Star, dossier comment parle-t-il là, enfin ouais, comment parle-t-il voilà. Donc vous savez que comment ils font tomber les cheveux, en fait ils les déséquilibrent, donc ça les fait tomber, ils font comme ça là. Oh, dégueulasse. Voilà. Après, défense la réforme des courses. Ouais, moi je trouve ça horrible les courses. Donc là, il n'y a rien en fait. Voilà. Donc, il y a des. Attends, voilà. Donc un hors série spécial race, donc 22 francs. Donc, vous voyez, ça remonte à loin, je pense. parce que les francs pas tout jeune maintenant hein. Voilà donc voilà
En fait, il y en a eu vraiment que là. Donc là, spécimen gratuit. Donc voilà. C'est pas mal. 18 francs. 8, 15 francs. 8, 18. 8, 22 francs seulement. Cher. 15 francs. C'est bien, 15 francs. 15 francs, 15 francs. Après. Star, cheval, cheval star. Ouais, je pense que c'est un cheval. Non, c'est un cheval star. Cheval star. Voilà. Donc, il y a une BD. Voilà. Après. Oh, un cheval magazine. Bon, bah. Il était encore en francs. Alors que eux, ils sont à 4,90 €. Qu'ils n'ont pas trop changé. Une formation et métier du cheval. Donc il y a quand même une autre façon. Hein. Là c'est les nouveaux et là c'est les anciens. Mais c'est vraiment très bien. Hein. Vous voyez toujours, la petite photo derrière. Hein. Donc vermifuge, longue action, la véritable économie, c'est du vermifuge moins souvent. Voilà, donc formation et métier. Voilà, et les spectacles. Donc, encore, je trouve qu'il est jeune, enfin, il est jeune, pas trop. Voilà. Donc voilà. Et après, cheval loisir, tous les métiers du cheval. Donc, de l'éleveur, jockey, soigneur, garde république, maréchal ferrant, haras nationaux. Enfin, il y a tout. Il y a tout. Tout, tout. Voilà. Donc voilà tous mes magazines. Après, nous passons au livre fait des héros. Donc on a le galop 1 à 4. Donc j'ai que les galops 1 à 4 parce que je suis galop 5 et je vais bientôt acheter le galop 6, enfin 5, 6, 7. Donc lui, il est vraiment très bien. Je vous conseille de l'acheter. Parce que en fait, à chaque galop, à la fin, il y a un questionnaire. Donc là, nous sommes au galop 2. Et vous voyez, il y a un questionnaire. Ah, le contre-jour. Là, il y a un questionnaire. Voilà. Donc à chaque galop, ça fait ça. Et à la fin, il y a les réponses. Donc moi, je trichais. Je regardais les réponses. Mais c'est pas grave. Donc je me dépêche un peu parce que je dois partir, en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que je passe pas trop de temps sur les livres. Parce que tout le monde les connaît. Et en plus, enfin, bah, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu fais cette vidéo? Parce que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc après, nous avons les êtres cavaliers 1 à 4. Après de l'édition La Vauzelle, donc manuel officiel de préparation au brevet. Au brevet fédéraux. Voilà. Donc il y a le être cavalier spécial jeune 1 à 4. Être cavalier 1 à 4. Être cavalier 5, 6, 7. Être cavalier 8 et 9. Question-réponse 1 à 4. Question-réponse galop 5, 6, 7. Être meneur galop 1 à 4. Être voltigeur galop 1 à 4. Être voltigeur galop 5, 6, 7. Être cavalier d'endurance. Être joueur de horseball. Les jeux de mise en selle. L'équilibre. Les transferts d'apprentissage. L'équilibre. Voilà. Donc là, par exemple, au lieu que ce soit être cavalier, c'est les jeux en mise en selle. Et là, au lieu que ça soit marqué galop 1 à 4, galop 1 à 4, c'est écrit l'équilibre. Voilà. Donc, il est vraiment très très complet. Hein. Prenez pas les nouveaux livres. Hein. Prenez plutôt les anciens livres. Donc, empruntez-en un.
parce que moi, mon club l'utilisait, lui, et je pense que tous les clubs qui vont vous faire passer le galop 1, 2, 3 et 4, ce sera avec ce livre. Donc moi, j'avais acheté l'autre livre pour rien, parce que j'avais ras les fesses et mon galop. Voilà. Donc à la fin, il y a un mini questionnaire. Donc voilà. Donc je l'ai pas fait, parce que j'avais la flemme. Donc il y a vraiment deux pages. Hein, donc il y a par exemple 1, 2, enfin galop 1, galop 1, galop 2, galop 2, galop 3, galop 3, galop 4, galop 4. Voilà. C'est vraiment simple, quoi. C'est simple, c'est simple. Donc c'est tout mélangé. Donc tout le monde le connaît. Donc là il y a l'estomac. Il y a l'estomac. Donc là c'est tout ce que je dois apprendre. Donc après il y a les pas, le trot, le galop, les allures, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.